aucun mot sur les familles de divorcés ou décédés qui subissent le SPT. Pourquoi un tel tabou envers ces familles atypiques? Ne sommes-nous plus de la famille? Ah, qui peut répondre à ça? Est-ce que... Oui, allez-y, madame. Je peux répondre pour l'action sociale. Ça sera déjà alors, ça. Si, famille monoparentale, famille divorcée, famille séparée, la notion de famille à l'action sociale, elle est très très large. Donc elle ne s'arrête pas à la famille nucléaire ou à la famille qui n'a pas vécu une rupture. Et effectivement, un conjoint séparé, divorcé, va rester, selon certains critères, donc de non-recomposition familiale après, va rester ressortissant de l'action sociale. Les enfants aussi. Donc, on n'a pas de... Pour l'action sociale, il n'y a pas de famille atypique. Il y a une notion de famille qui regroupe tout ce qu'on peut trouver comme typologie.